Donc le pont est composé d'un sol. Déjà vu. Un si mineur, vous connaissez. Alors comme moi, je privilégie encore les cordes à vide, alors j'ai tendance à faire cet accord en ne barrant pas, mais en faisant ça. Ce qui me fait bénéficier de la corde de mi à vide. D'accord ? Donc sol. Si mineur. D'accord, Ad 11 pour ceux qui veulent... une petite précision quand on fait que l'accord de mi aigu résonne derrière. Retour au sol. Et le ré. Là, donc, on se rappelle, on joue toutes les cordes. Hein. Le ré, il est là. Le ré grave. Pas le ré grave, le ré grave. Ok, après, vous allez retrouver le fa dièse mineur 7. Donc, c'est ça. On l'a vu dans le couplet. Retour au sol. Et le La pour trois mesures. La dernière mesure, on laisse résonner. Dur à passer, mais une fois que vous avez chopé les gestes, ça va vous servir dans plein de morceaux. Tous les morceaux qui sont en tonalité de ré, je vous conseille d'essayer de trouver une solution avec le drop D. Donc voilà, le drop D n'est pas utilisé que par les Rage Against the Machine et tous les groupes de furieux. Ça peut aussi très bien sonner sur l'acoustique. Donc rendez-vous au prochain épisode.